Manche en Bahra et le kilomètre 22 qui nous attend de sable avec une météo partiellement nuageuse. On va voir ce que tout cela va donner. Ça a l'air sympa en tout cas, comme dessin de tracé. Pas l'air trop compliqué non plus, on verra bien. On se concentre sur la piste, le signal va être donné. Bonne course. Rouge, tiens-toi prêt. Et le départ de cette épreuve ici au Mexique, on est parti directement depuis la corde. De quoi peut-être nous aider à avoir un avantage. Eh bien non. Ça ne reviendra pas tout de suite derrière. Oups, ça glisse par contre. Allez, on poursuit. Et les lumières sont toujours très, très sympas hein, quand c'est un peu comme ça, crépuscule en tout cas, ou aube dans ce Dirt 4. Visuellement, c'est toujours très joli. Alors que l'on mène toujours cette épreuve. Je dois avouer que je suis un peu déconvenu parce que la première course était très intense, ici même au Mexique, et depuis, eh bien... Il y a un passage à vide de l'IA incompréhensible et j'ai pas changé la difficulté. Je suis vraiment dans les mêmes conditions que depuis le début du championnat, donc je ne sais pas pourquoi c'est de la sorte, mais c'est très perturbant. J'ai dit, on a fait deuxième en finale au Mexique lors de la toute première manche, donc c'est pas comme si c'était on survolait quoi. C'est incroyable. Je comprends pas. Alors effectivement, j'avais tenté de passer en Corias pour l'épreuve avec la Subaru, c'était au-dessus de mon niveau, je terminais à 15-20 secondes des leaders, c'était pas intéressant. Je trouvais que le niveau juste en dessous était correct, c'est celui d'ailleurs que j'ai gardé pour ces courses, et finalement, on n'a pas de retour de la part de l'IA. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas réajuster la difficulté en cours de saison, c'est-à-dire que par exemple, vous faites... un championnat avec deux manches où ça se passe bien, la troisième vous merdez, vous ne pouvez pas la baisser pour que la quatrième soit un peu plus facile, ou en tout cas après la première manche vous faites manger, vous devez abandonner, vous perdez de la réputation, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'estime de la part de vos sponsors, donc tout ça remis un petit peu au cumul pour simplement une option de difficulté qu'on ne sait pas changer en cours de jeu. C'est un peu dommage quoi, alors que des choses comme ça c'est permis dans d'autres titres. Donc voilà, ça fait un petit peu tâche dans la carrière, mais bon, c'est pas grave, c'est le principe aussi de savoir estimer un petit peu où on en est au niveau de ses compétences dans le jeu. Là je suis conscient que je suis à un niveau un peu plus haut que moyen hein. Je suis pas dans l'élite, faut pas déconner non plus, mais je m'amuse, j'espère que vous amusez aussi. Et dans cette demi-finale, eh bien on va de nouveau tenter de conclure avec la victoire. Allen est derrière, c'est pas non plus incroyable la résistance de l'IA, je suis assez déçu, honnêtement je suis très déçu, mais bon, allez, c'est pas grave, on va le finir ce championnat. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs en passant d'épreuves de Land Rush, et c'est un peu dommage parce qu'on nous a vanté pas mal de modes de jeu, et finalement celui-là est un petit peu laissé pour compte. Il n'y a pas grand chose à y faire, contrairement au rallye historique par exemple, là alors il y a une quantité faramineuse d'épreuves. Allez, on va terminer cette demi-finale sans aucune difficulté, alors qu'on était très concentré au début de cette vidéo. Ici, on peut désormais, comme on dit, dérouler, et ça suffit. Voilà, la ligne d'arrivée est là, c'est terminé, on est en finale. Première place.
Allez, c'est parti. On va essayer de bien se positionner au départ de cette finale. On est à l'intérieur, c'est pas trop mal. Allez, il faudrait accélérer assez tôt. La montée était compliquée là encore. On n'a pas assez de vitesse. L'impression d'énormément patiner avec la voiture. Allez, la bonne dérive. On essaie de jeter cette voiture pour la faire virer du train arrière. On a la tête pour l'instant devant Del Rio et Webb. Allez, 5 tours, hein, je ne l'ai pas précisé, mais comme d'hab, avant le final, on commence à avoir l'habitude. Et d'ailleurs, en parlant de tours, on va couvrir le premier maintenant ensemble avec un petit peu d'avance sur Webb qui a repris l'avantage. On a vu partir à l'extérieur dans notre rétroviseur. Et il va sûrement nous faire l'intérieur. C'est Del Rio qui est revenu. Et ça bouge beaucoup, 3 secondes d'avance. Allez, c'est bien. C'est bien installé. En tête, faut pas faire de bêtises maintenant. Gardez le contrôle de la piste et de l'environnement. Et notre pick-up s'en sortira, je pense, sans trop de problèmes. Allez, besoin de gagner. Si on veut garder des chances au championnat, on ne sait pas de quoi sera faite la dernière manche aux États-Unis, en Californie. La descente. Et le deuxième tour est couvert. Passant première, pas top. Ouais, mais Del Rio qui se battent. Bon pour nous tout ça. On les entend un petit peu loin. On va voir les écarts maintenant. 2 minutes 10 de course. Et bon, ça traîne. Ah oui, il y a des secondes là qui filent entre nous et le reste du peloton. C'est pas mal. On est en tête. Ça glisse. J'essaie de jeter un coup d'œil rapidement dans le rétroviseur pour voir à peu près ce que cela donne. Des écarts, on n'a plus vraiment de chiffres affichés. Maintenant on est devant. Et vous savez quoi, à force de piloter ce pick-up, je commence à bien le maîtriser et à prendre du plaisir, ce qui n'était pas du tout le cas sur les deux premières manches. J'étais plus en étant un peu plus passif sur le comportement de la voiture. Allez, on poursuit, on va entamer bientôt le dernier tour de cette finale A. Hop, 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 un petit peu au large ici. Et on commencerait presque à prendre du plaisir, mais il faut du temps pour s'adapter à la voiture. C'est pas toujours simple d'appréhender ces bolides, c'est un peu comme les petits protos là que je n'aime pas du tout. Je vais finir par trouver comment ça fonctionne au niveau de la physique. Et après, je pourrais vous proposer en vidéo, mais pour l'instant, les tout petits buggy, là, les petits bourdons, on va éviter pour le moment. Dernier tour, tu gagnes ça. Allez, le dernier tour, on va l'emporter. Semble-t-il. On est bien parti pour. On reste en deuxième. On va monter de descendre. Ah, si c'est posé, ou pas. Hop là. Terrible, mais maîtrisé. On va aller s'imposer dans cette troisième manche ici du côté de Mexico. Et la dernière accélération et la ligne d'arrivée. Voilà, victoire facile en maîtrise. Tu peux être fier de toi, c'est bien joué. Et la victoire donc dans cette troisième manche, ça nous fait donc 25 points dans notre escarcelle, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on est satisfait? Oui, les sponsors sont au beau fixe, c'est parfait.
Et au niveau des crédits, c'est encore 100 000 crédits dans la poche. Allez, est-ce qu'on peut peut-être espérer le niveau 25 et la fin de la quatrième étape? On a fait le Mexique, on a fait le Nevada, et bien on retourne aux États-Unis, mais cette fois-ci, c'est pour la Californie. Et on va découvrir ensemble, voilà, le dessin de cette dernière manche de la saison, la quatrième, avec donc 1 km 130. C'est le circuit le plus long, je pense, auquel on a eu droit dans ces quatre épreuves, avec bien déjà une météo sèche, c'est plutôt pas mal. Et donc, la demi-finale qui va débuter sur cette piste de sable dans quelques instants. Et le départ de la dernière demi-finale de la saison, c'est parti ici en Californie. Allez, on se lance dans le premier gauche. Et c'est parti donc pour la découverte de cette piste d'un kilomètre. Et 130 mètres, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on est en tête pour le moment, on est au large, on perd beaucoup de temps. Mais une fois de plus, eh bien, on est en train de se faire de l'argent facile, hein, là. Sous-virage terrible. Et le premier tour est couvert. Surface un peu différente de ce à quoi on avait droit jusque là, pas les mêmes sensations de glisse, mais d'avoir toujours un peu de grip, et c'est assez perturbant. Là où d'habitude on pouvait laisser l'arrière glisser. Deuxième des quatre tours avec Wilson, deuxième, alors qu'on part un peu au large, c'est pas trop grave. Broadbent, deuxième. On salue Jimmy, s'il nous regarde, pas du tout. Mais on salue les collègues. Oh là là, très compliqué cette épingle. Ouh, bonjour le mur. Bien joué, tu gagnes 4 secondes sur le tour. Allez les boss. On essaiera la prochaine fois de mettre la difficulté la plus importante pour les IA et voir si on se fait poutrer ou s'il y a une chance de faire quelque chose. Dans une éventuelle prochaine saison. Allez, on en termine avec cette demi-finale et le passage de la ligne. Tu viens de t'offrir un billet pour la finale A. Et les bêtes sont lâchées pour le départ de cette dernière super finale A dans ce championnat de Truck Series. Et on prend le meilleur avant même l'entame du premier gauche. Toujours bon signe ça.
Et c'est parti. Hop, attention, on est au large. Ça risque de revenir rapidement derrière. Non, ça va. On reste assez maître de ce qui se passe pour le moment en piste. On a la vue dégagée, c'est le principal. 5 tours dans cette finale, évidemment, vous avez l'habitude maintenant dans cette saison. Et surtout, ce que l'on va pouvoir constater, c'est qu'on va récolter beaucoup de crédits à l'issue de cette saison. De quoi augmenter peut-être la capacité du garage et voire investir dans une groupe B rallycross. Ça pourrait être sympa. Histoire de voir laquelle est la plus maniable. Sans doute une RS200, je ne sais pas. On va voir un petit peu. Hop ! Ça reste quand même assez délicat, les transferts de charge. On peut encore se faire piéger, hein, malgré l'expérience qu'on commence à acquérir avec cette voiture. Et ça passe assez bien pour le moment. Le troisième tour de course bientôt à l'issue de ce gauche. La réaccélération et nous y sommes. Bien joué, tu gagnes 4 secondes sur le tour. Hop là. On est quasiment à l'arrêt. On était quasiment à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ouf. La voiture qui n'a pas réagi du tout. J'avais le pied dedans. Elle a dit non, je vais rester là. Je suis bien. Je vais prendre un petit bain de soleil. C'est pas du tout ce pourquoi on est là. Il reste encore 2 tours à couvrir, hein, pour remporter cette 4e manche face à Jeffries et Cook. On n'a pas d'adversaire direct, hein, qui vont nous poser problème. On pourrait presque piquer un petit somme, hein, tellement on est en avance. C'est hallucinant. C'est arrivé un peu plus vite en essayant de la mettre en tête à queue. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire le tour précédent, mais la voiture a dit non. Pas eu de réaction. Allez, on va entamer le dernier tour de la course et de la saison. Voilà. Allez, encore 1 km. C'est le dernier tour. L'ultime kilomètre de cette saison qui aura commencé assez chaudement et ensuite, on aura dominé. Assez dommage. Mais bon, il faut bien parfois que ça se passe aussi un petit peu comme ça. Après les luttes serrées avec la Subaru Impreza, retrouver le haut du tableau assez aisément n'est jamais de trop. Allez, un petit survirage pour conclure. Et on va se libérer un peu comme Kenny. Je sais pas si on comprend la référence. Allez, on se libère de cette course, la finale est remportée, la finale A, c'est fait ici au Nevada. Première place. Évidemment, c'est pas au Nevada, c'est en Californie, suis-je bête. Allez, on va jeter un coup d'œil au classement du championnat avec 97 points. On s'impose donc devant Jeffries, Diego Webb et Del Rio. Voilà donc pour les résultats de cette saison. Et les résultats de cette 4e épreuve, la victoire et les 25 points qui vont avec. On est plutôt content du côté des sponsors, en tout cas le contrat a l'air d'être rempli. Et maintenant, eh bien, passons à la caisse finale, 140 000 crédits de gagné. Et on passe peut-être, oui, niveau 25, ça c'est plutôt exceptionnel, c'est le cas de le dire. Et bien voilà. Vous pouvez désormais courir dans la série mondiale de l'Andrush. Continuez comme ça.
et on peut donc courir en série mondiale. Et surtout, on a désormais un ingénieur en chef un peu plus compétent. Le bilan maintenant de cette saison avec la victoire au général avec 97 points face aux 72 de Jeffries. Comme ça, vous êtes au courant de tous les résultats. Et bien voilà pour cette saison de Land Rush. Je ne sais pas ce que l'on fera lors du prochain épisode. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière d'Earth 4. Merci de la suivre avec toujours autant d'attention. Je prends toujours autant de plaisir à vous la monter et à vous la partager. J'espère que vous avez autant de joie à la regarder. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Et d'ici là, bon amusement en piste sur votre simulation favorite. Salut !